Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, on est mardi 7 novembre. Moi, je viens de manger une part de gâteau, les amis, que je viens de faire. Un délice, un délice. Donc, nouvelle vidéo, réponse aux commentaires. Je vais répondre aux commentaires laissés. Alors, il y a 34 commentaires sur le retour de course Leclerc, juste avant Halloween. 34 commentaires, let's go. On va essayer de faire vite, les amis, parce que dernièrement, les vidéos réponses aux commentaires sont trop longues. Alors, Lilou, bon dimanche, Olga, j'ai hâte de voir votre vidéo demain. C'était la vidéo de la plantation de l'ail, il me semble. Ah ben, j'espère que tu as aimé, Lilou. Gros bisous. Sandra, bonjour Olga, bon dimanche. C'est cher les fruits orange pour en jeter la moitié. Ouais, c'est vrai. Je m'étais plaint que les oranges étaient chères. Mais j'ai remarqué que ça a descendu un petit peu. Un petit peu. Je trouve que 3,50 € maintenant, au lieu de 4 et quelques, 3,50 € pour un filet de 2 kg ou 3,59 €, un truc comme ça. 2 kg, si elles sont grandes, il y a 3 dedans, quoi. Je sais pas. Après, c'est peut-être des oranges à jus, j'en sais rien. Mais bon, je trouve que c'est cher. Par rapport à avant, c'est cher. Et je vous parle d'orange éco plus, hein. Je ne vous parle pas des autres. Hein. Pour en jeter la moitié, en plus la peau est épaisse. Ben oui, mais... mais moi je trouve ça bien. Plus la peau est épaisse et plus c'est facile à éplucher, non, tu ne trouves pas? Gros bisous Sandra, ton live hier était super. Merci beaucoup Sandra, gros bisous à toi. Odette, c'est très très bien Olga, vous prenez de l'assurance, j'aime votre franc-parler, merci Odette, c'est pas évident hein. Morgane, bon dimanche Olga, merci pour le live hier, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et la convivialité de tous, moi aussi j'ai kiffé grave. Merci Morgane, gros bisous. Svetlana, bonjour Olga, merci beaucoup pour ta belle vidéo, retour de course, bon dimanche à toi. Bisous, bisous Svetlana. Julien, coucou Olga, merci pour ce retour de course. Leclerc, ça donne des idées de repas, continue surtout, je t'adore. De rien Julien, bisous. Nadège, tu n'as pas une petite épicerie dans ton village pour les bons becs? Non. J'habite dans un petit village où il n'y a rien, les amis, il n'y a rien, 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 rien. Il n'y a pas le bistrot du coin, il n'y a pas une épicerie, il n'y a pas une boulangerie, il n'y a rien, les amis, rien. Quand on vit dans le fin fond de la campagne, c'est ça, hein. C'est pour ça que j'ai dit dans une vidéo, si tu as oublié d'acheter le pain... Ah bah, tu fais le pain toi-même, parce que tu peux pas aller faire des bornes jusqu'à la prochaine boulangerie. Fousia, coucou ma belle, beau retour de course, j'aime trop les cornichons, mais les gros, bisous. Ah oui, moi j'aime pas du tout. Les cornichons, c'est mon fils qui les mange, et puis il aime bien les coplus, même s'ils sont petits. Nadège, encore, tiens, tu me donnes l'idée, je vais faire des pâtes citron crème parmesan. Super bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait. T'as kiffé? Gwen Lélia, coucou, merci pour ce retour de course, de rien, bisous Gwen. Coucou Olga, super retour de course, comme d'hab, j'ai trouvé le raisin et les clémentines très bons, moi aussi. La crème de marron, une tuerie, le pot est presque vide, bon dimanche à toi. J'espère que t'as passé une bonne semaine Julie, gros bisous.
Moi, j'ai trouvé les raisins super bons. Je ne les ai pas mangés dans la semaine. Donc, ça veut dire que là, à l'heure où je vous parle, j'en ai encore. Et puis, ils sont encore en bon état. Il est très, très bon. Très sucré. Les clémentines, un peu moins. Il y en a dans le tas qui sont sèches dedans. Enfin, quand on épluche, ben les quartiers, ils sont tous secs. Ben, du coup, je fous ça pour faire la confiture. Séverine, coucou, Olga, le fromage mystère du prieuré, c'est comme le chaussée aux moines. Bon dimanche, gros bisous. Oui, et puis il est très bon, hein. Il est moins cher que le chaussée aux moines. Isagabi, coucou Olga, super grand retour de course. La confiture, elle doit être très bonne. Oui. J'ai passé un très bon moment dans ton live. Passe un bon week-end en famille. Gros bisous. Bisous Isa et bisous à tout le monde. Oui, la confiture, bah, mais ça, maintenant, j'ai pris goût à faire les confitures, les amis. C'est un truc de dingue. Marie-Rémy. Coucou Olga, merci pour ce retour de course. J'ai pris moi aussi des clémentines, elles sont très bonnes. Comme toi, je trouve les oranges super chères. Les pommes sont délicieuses, bananes, elles sont souvent bien mûres cette semaine. Ouais, mais bon, après, c'est pas bien grave, hein. J'avais presque rien en drive, j'ai dû aller en magasin avec un budget de fauché, fin de mois. 45 euros, je ne suis pas sortie de ma liste course malgré les tentations. Quand tu vas dans le magasin. Ah oui, alors, je recommence les amis. 45 euros, je suis pas sortie de ma liste de courses malgré les tentations quand tu vas dans le magasin. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de voir ta recette avec la crème de marron. J'ai adoré ton gâteau au céleri et amandes que j'ai dégusté en regardant ton live en replay. Bonne semaine. Ben, je suis très contente que tu aies aimé le gâteau. Je mettrai ici, les amis, les gâteaux céleri rave amandes. Le truc improbable, mais un délice. Un délice. Oui, la recette à la crème de marron, je ne l'ai pas encore faite. Mais je vais la faire. Là, courant novembre, je vais la faire. Idée à la place des bonbons, tu peux proposer un gâteau au yaourt vite fait. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, comme toi, j'avais oublié. J'ai mis dans un moule un madeleine et ajouté du chocolat fondu dessus. Alors, j'y avais pensé grâce à toi parce que j'avais lu ton message. J'avais pensé aussi à faire des petits cookies. Mais après, je me suis dit, dans le monde actuellement, entre ceux qui sont allergiques aux œufs, au gluten, au lactose, moi, je ne peux pas faire un gâteau sans rien, les amis. Je suis désolée pour les gens qui sont vraiment malades, mais voilà, vous savez, voilà, j'ai pas voulu faire un truc qu'on me le reproche après. Je ne sais pas si les gamins, ils étaient allergiques. Bah, après, voilà, vous savez, je sais pas, j'ai envie de mettre des noix. Bah, tiens, il est allergique aux noix. Voilà, donc j'ai rien fait. On s'est enfermé à la maison, on a fermé les volets. Ils ont cogné. On n'a pas répondu. Ils sont. Oh, bah, de toute façon, vous savez, à mon avis, ils ont eu pas mal de bonbons. Et puis, s'ils n'ont pas de bonbons, tant mieux pour leurs dents. Ah, bah, tant pis, hein. Le truc, c'est que l'année dernière, j'avais prévu des bonbons. Ils ne sont pas passés. Ils ont fait différemment. Et cette année, ils sont passés. Voilà. Parce que c'est. Comme dit Chéri, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Voilà. C'est quand t'es pas préparé un truc que ce truc arrive. Katia, coucou Olga, super retour de course. Oui, le ticket de caisse du gaspillage, tu as raison. Bon après-midi, bisous. Ouais. Mais là, c'est bon. Il n'y a plus la pub. C'est bon, les amis. En tout cas, dans mon Leclerc. Bisous, Katia. Et bisous aussi, Marie-Rémy. Je sais pas si je t'ai fait des bisous. Sophie, bonjour Olga, merci pour ce retour de course, merci pour l'idée des confitures à la clémentine. J'en ai acheté et finalement mon fils ne les mange pas. Du coup, je vais en faire de la confiture, oui. Pour faire passer des fruits, je pense que c'est la meilleure solution. Ou alors faire des gâteaux, voilà, ou des tartes.
Mais après, tarte à la clémentine, je ne sais pas si ça se porte bien. Si la pâte n'est pas imbibée par le jus, je ne sais pas. Le fromage, ah, et fines herbes, j'en achète plus. Je le fais moi-même avec 4 yaourts EcoPlus. Le petit lait évacué, je le mets dans une pâte à gâteau ou crêpes, pancakes, etc. Pour l'anticale, quand j'en ai besoin, je m'en sers pour détartrage des WC. J'imprime un bon de réduction sur le site Envie de Plus qui est de 1. Et après, achat, je me fais rembourser autant sur mon compte en banque. Du coup, il ne revient pas cher. Moi, je me méfie de ce genre de truc. Les amis, je me méfie de ce genre de truc. Il y a déjà une autre abonnée qui m'a parlé d'un site, c'était vivrediscount.com, un truc comme ça. Genre, on peut se faire rembourser 100% des produits, tout dépend du produit, tout dépend de la date, patati patata. Moi, je me dis, les amis, ça c'est vrai, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Moi, je me méfie de ce genre de truc. J'apprécie qu'on m'en parle. Je regarde déjà le site, il a une gueule, je fais pas confiance. Hein. Il a donc, tu te fais rembourser directement sur ton compte en banque, c'est-à-dire que eux, ils ont tes infos bancaires. Je sais pas, Sophie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je. Non. Ah, c'est pour ça d'ailleurs que je suis pauvre. Non, les amis, mais ce genre de truc, non, 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 non. À l'ère de qu'on vit aujourd'hui, n'importe quoi que tu puisses faire, tout est fait électroniquement. C'est-à-dire que tout le monde a tes données, tout le monde, puisqu'après ces sites-là, ils vendent tes données. C'est pour ça qu'après tu te fais harceler au téléphone, machin, non, non. Moi, c'est bon, j'ai donné. Vous savez, moi, j'achetais maintenant beaucoup moins, mais j'achetais pas mal de trucs sur Cdiscount. C'est fou parce que dès que tu fais un achat sur Cdiscount, dans les semaines qui suivent, tu te fais harceler. C'est un truc de dingue, hein? Mais tu te fais pas harceler par Cdiscount. Non, tu te fais harceler par tout un tas de gens qui viennent te démarcher. Pour des assurances, pour ceci, assurance téléphone, assurance je sais pas quoi, assurance. Eh, non. Donc voilà, donc merci beaucoup Sophie pour la recette. Je vois que ça a intéressé Nicole. Du coup, moi je suis super contente que les abonnés ils se parlent entre eux. Nickel les filles, nickel. Et puis j'essayerai. J'essayerai de faire la recette parce que du coup tu l'as donné la recette. 4 yaourts dans un bol avec une cuillère à café. Ah, donc, les filles, prenez note. Mélangez 4 yaourts nature dans un bol avec une cuillère à café de sel. Ensuite, mettre ail et herbes, les herbes que vous voulez. Sophie aimait souvent des herbes de Provence. Ensuite, elle met le tout dans un linge pour fromage ou compresse. Si on n'a pas. Ah oui, mais des compresses. Ouais, des compresses. On serre bien le tout et ferme avec un élastique. Ensuite, elle met le linge dans un chinois au-dessus d'un bol ou saladier, car du petit lait va couler. Et on laisse quelques heures au frais. En principe, je laisse la nuit pour le lendemain. Plus qu'à mettre en pot, en verre pour ma part. On obtient à peu près 170-190 grammes de produit selon ce que l'on met dedans. Moi, je vais tester. Hein. Après, goûtez avant si ça vous semble. À votre goût, vous pouvez mettre des épices fraîches ou séchées. Après, on peut varier, faire au poivre, noix, figues. Ma fille adore au jambon, comme les vaches qui rient, etc. Hormis celui au jambon, les autres, je les conserve jusqu'à 4-5 jours au frais. Voilà, à tester. Vous aimerez peut-être comme chez moi. Bon dimanche.
C'est pas magnifique, ça? Moi, je vais tester, les amis. Je vais tester. J'ai pas de linge à fromage, mais j'ai des compresses. Donc, je vais faire une vidéo. Sophie, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire ta recette en vidéo pour tous les abonnés? Voilà, j'attends ta petite réponse. Donc, merci beaucoup, Sophie. Florence, bonjour Olga, retour de course, c'est très sympa comme d'habitude. Il faut faire très attention quand tu utilises des produits pour la douche, car la plupart provoquent des effets secondaires. Oui, oui, oui. Il faut aérer la pièce pendant le nettoyage. Oui, sauf que ma salle de bain, elle n'a pas de fenêtre. Elle a juste, tu sais, une espèce d'aération électrique qui tourne à chaque fois qu'on rentre dans la pièce, le truc il se met en route. Tu vois? Voilà, donc j'ai une petite salle de bain sans zéro ouverture, pas de fenêtre. Voilà. C'est un petit peu ce qui ne m'a pas plu dans cette maison, mais à moins que tu la fasses construire toi-même, il n'y a pas de maison parfaite. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, moi, ça faisait un an qu'on cherchait une maison. Et à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, et puis là, ça avait tout pour plaire, sauf ça et la cuisine qui reste assez vieillotte. Mais bon, je m'en fous. Voilà. Mais il y avait cave, il y a garage, chérie voulait absolument un garage. Ah oui, et puis une chambre en plus. Voilà. Parce que nous, on est trois, donc on aurait eu besoin que de deux chambres. Et là, j'ai trois chambres. Voilà. Trois chambres et très spacieuses. Donc ça, ici, c'est censé être une chambre. D'ailleurs, il y a encore les anciennes décorations. C'était une chambre de petite fille. Il y a des papillons au mur, des fleurs et tout. Mais moi, je m'en fous, c'est le bureau. Et puis, c'est rose. J'aurais jamais peint mes murs en rose, mais oh, ben, c'est le bureau, je m'en fous. C'est en bon état, pour moi, c'est le principal. Donc, tu vas penser peut-être que je me trompe. Pas du tout, Florence, pas du tout. Sauf que moi, je n'ai pas le choix, je ne peux pas aérer, en fait. Mon métier est agent professionnel en propreté, donc j'utilise tous les jours toutes sortes de produits. Et moi, j'étais femme de ménage, hein. Agent d'entretien en usine et femme de ménage pour les particuliers. Je sais très bien. Ajax, c'est pas mal, ça fonctionne assez bien. Gros bisous, Florence. Oui, j'ai utilisé. J'ai pas réussi à tout enlever, le tartre, mais ça va se faire au fur et à mesure. Je vais essayer de nettoyer plus souvent. On voyait déjà une sacrée différence. Une sacrée différence. Bisous, Florence. Nathalie, coucou, bon retour de course. Une fois, j'ai oublié aussi les bonbons. Du coup, j'ai fait des cookies, crêpes, merveilles. Les enfants ont été surpris, mais super contents. C'est le principal. Du coup, maintenant, je fais toujours ça et quelques bonbons. Mais pas trop. Le naturel, c'est mieux. Enfin, pour moi. Bisous, à bientôt et désolé, dégoûté, j'ai loupé ton live. Ce n'est pas grave, Nathalie, ce n'est pas grave. Mais j'ai déjà vu dans un commentaire que tu m'as dit que tu ne pourrais pas être là parce que 21h, c'est trop tard pour toi. Donc, moi, le prochain live, je ne sais pas quand ça sera, mais le troisième live, je vais le faire en journée, du coup. Et je ferai un petit peu en journée et un petit peu le soir pour faire un petit peu plaisir à tout le monde. C'est vrai que voilà. Là, je vais profiter le soir parce que chérie n'est pas là. Voilà. Mais sinon, les prochains, ça va être en journée pour pas... parce que comme j'ai expliqué, quand je fais le live, je prends toute la bande passante. Et après, chérie, il ne peut plus rien faire, en fait. Voilà. À part suivre le live, en fait. S'il veut jouer à un jeu en ligne comme il aime faire, il ne peut pas. Il n'y a pas assez de bande passante pour jouer et faire le live. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Tu peux toujours regarder la rediff. Moi, je mets la rediff. Mais les amis, pour ceux qui regardent la rediff, c'est mieux de regarder la rediff que le lendemain. Parce que, et pas tout de suite après le live. Tout de suite après le live, il n'y a pas le chat. Et si vous regardez le lendemain, il y a le chat. C'est le temps que YouTube mette les choses bien, en fait. Il faut quelques heures. Donc, bisous Nathalie, ce n'est pas grave.
Béa, coucou, effectivement, il y a beaucoup de gaspillage de papier avec les tickets. J'ai complètement oublié aussi les bonbons pour les petits-os. Tant pis, il n'y aura pas, car moi aussi, il faut que je fasse plein de kilomètres pour aller en magasin. Sympa ton petit retour de course. Bonne soirée, bisous, bisous, Béa. Merci beaucoup d'être passé. Aïe. Oui, je me fais des bisous, c'est des bisous magiques. J'ai plus mal. Jacqueline, j'adore Jacqueline. Bonsoir tout le monde. Les mandarines pressées donnent un bon jus de fruits. Ah, mais il en faut, hein? Combien il faut de mandarines pour faire un verre? Et puis, c'est des clémentines, c'est pas des mandarines, Jacqueline. Ah, peut-être que cela permettra de ne pas jeter si flemme de préparer cuite. Ah non, moi, je n'ai pas la flemme. Non, non. Parce que je me dis que si j'ai la flemme aujourd'hui, c'est pas grave, je ferai ça demain. Ah oui, moi j'adore mettre à demain les trucs. J'adore. L'huile des boîtes de thon, la mettre dans un bocal au frais. Ah ben j'ai déjà essayé, ben ça a moisi. Parce qu'en été, j'utilisais cette huile-là pour faire les vinaigrettes. Il y a un moment donné. Genre une semaine après, ben, il y avait du moisi dedans. Donc maintenant, je garde plus. On s'en sert pour agrémenter les salades, oui, avec du thon nature et pour badigeonner les fonds de pâte pour tarte au thon. Ah ouais, mais pour ça, il faut faire des tartes au thon. Je fais jamais de tarte au thon, moi. Ou bien pour agrémenter les pâtés maison pour nos animaux. Oui, mais j'ai pas d'animaux. J'ai pas d'animaux. J'avais un lapin, les amis. J'avais un lapin nain qui s'appelait Lint. C'était un lapin noir. J'adore les animaux noirs. Ne me demandez pas pourquoi. Et puis en plus, c'était le seul petit, le seul lapereau noir de la portée. Ben, il était pour moi. Voilà. Et comme je voulais un mâle, ah ben, c'était un mâle aussi. Ben, voilà, il était fait pour moi. Ce lapin. Donc, je bois un petit peu, les amis. Donc, ce lapin, on l'a gardé 11 ans. Il est mort cet été, en juillet. Voilà. Notre petit pinou, il nous manque. Il nous manque. Ah, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Bonne soirée tout le monde et doux rêves. Merci Jacqueline pour tous tes conseils, pour toutes tes astuces. Je te remercie énormément. Je te fais des gros bisous. Mamie Isa, coucou Olga, superbe retour de course. Confiture de clémentine, cela me tente. Bisous, bisous. Super bon, hein. C'est déjà le deuxième pot que je fais. Et puis j'avais pris deux filets parce que je me suis dit au cas où il n'y en a pas assez. Eh ben, en fait, les deux confitures, j'ai fait avec un filet, hein. J'ai utilisé 500 grammes à chaque fois. Voilà. Et ça m'a fait un grand pot de confiture de genre, je crois que le pot il fait 750 grammes, un truc comme ça. Rentable. Béatrice, coucou Olga, merci pour ton retour de course. J'ai hâte de voir ta vidéo pour ton gâteau à la crème de marron. Ah bah toi aussi. Ah bah d'accord. Ah bah je vais faire ça vite alors. Bien que je ne peux pas en manger à cause du diabète. J'en ferai pour mon chéri. Oh mais c'est trop mimes. Gros bisous. Oh. C'est trop mimi. Oh, mais moi, si j'ai le diabète, oh, je ne sais pas si je pourrais faire des trucs sucrés et ne pas en manger. Eh ben, ce matin, j'ai fait une vidéo pour un gâteau. Eh ben, j'ai dû couper une part, hein, et manger. Alors que le gâteau était encore chaud. Mais c'est comme ça que ce gâteau-là, c'est comme ça que je préfère.
quand il est chaud. Et mes enfants aussi, parce que quand je faisais, le lendemain, ils prenaient leur part de gâteau et ils réchauffaient un peu au micro-ondes. On a un problème ou pas? Mais c'est de famille, je crois. Mais c'est trop mignon, Béatrice. Je vais me dépêcher de faire ces gâteaux. Vous êtes déjà deux à me demander. Coucou Olga, merci pour ce retour de course. Bonne idée pour la recette du gâteau au marron. 3. Je n'ai pas pu regarder le live, je le regarderai en replay. Bisous, bisous Annie. Bernadette, bonjour, je viens de découvrir votre chaîne et je m'abonne avec plaisir. Bienvenue Bernadette. Bienvenue chez les fous. Quelle chance d'avoir autant de produits Eco Plus chez nous au Leclerc Drive. Très très peu d'Eco Plus, y aucun pour l'alimentation. Ah, merci pour votre travail. Ah, Bernadette, déjà tu peux me tutoyer. D'une. De deux, je suis trop triste pour toi. Mais t'as pas, c'est parce que peut-être que ça part trop vite. Est-ce qu'il y a des trous dans les rayons, là où il y a l'étiquette Eco Plus, ou parce qu'ils doivent en avoir, mais à mon avis, c'est que ça part vite, quoi. Non, mais les amis. Ce matin, très tôt ce matin, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, une vidéo qui est sortie il y a un mois. Je vais chercher cette vidéo et je mettrai le lien en description, non, parce que j'ai comme l'impression que les gens ne savent pas aller dans la description pour cliquer sur les liens. Je mettrai en commentaire épinglé. Voilà. Je mettrai le lien de la vidéo que j'ai vue ce matin, très tôt ce matin. Et c'est ce que je dis depuis un moment. Bon, j'ai pas envie de dire « Ouais, je l'avais dit et tout », mais quand les choses arrivent, je les sens avant. C'est un truc de dingue. Donc, merci Bernadette. Je suis très triste pour toi que tu n'arrives pas à trouver du Eco Plus en alimentation. Très triste, vraiment. Moi, j'arrive quand même, même si des fois, ça manque. Mais j'y arrive quand même. C'est vrai que je ne peux pas me plaindre. Après, il y a ma nana, que j'envie tous ces fromages. Ici, ça coûte un rein à chaque fois. C'est vrai. Nana, au Québec, l'autre jour, elle a acheté un brie pour 26$, les amis. 26$ un brie. Bonsoir, je ne savais pas qu'au Québec, c'était aussi cher le fromage. Et les fruits aussi. Les fruits, ouais. Un bon fromage, ça peut taper dans les 20$ pour 200-300 grammes. C'est abusé, les amis. Et puis, c'est pas à cause de l'inflation. Hein. Par contre, vous savez ce qui est pas cher là-bas? C'est l'électricité. Parce qu'ils ont tellement de barrages là-bas que ma fille, elle a dit que pour deux mois, elle a eu genre 30$ d'électricité. C'est abusé, non? Voilà les amis, donc on a fini pour ce retour de course de répondre aux commentaires. Moi, je vais déjà noter qu'il faut que je fasse le gâteau avec la crème de marron et il faut que je fasse le fromage, ail et fines herbes. Bien sûr, ça fait déjà deux recettes à faire en vidéo les amis. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et pour les autres, n'hésitez pas à cliquer sur like. Merci beaucoup les amis. À la prochaine vidéo. Bisous.